Bonjour et bienvenue tout le monde. Aujourd'hui, c'est le forum sur le commerce et les politiques d'investissement, ce qui est organisé par le Seattle to Brussels Network. Je m'appelle Martin Konechny. Je travaille pour le Seattle to Brussels Network et je suis contente de vous avoir ici pour ce forum pour discuter qu'est-ce qui va mal avec le commerce, comment cela forme notre monde et comment régler les pouvoirs des grandes entreprises. Et on va discuter comment changer cela, quel est le pouvoir des mouvements sociaux et comment changer les politiques d'investissement et de commerce. Je suis très contente d'avoir ici à ma droite donc de votre perspective à gauche Lucia Barsena qui travaille avec le Transnational Institute TNI, ce qui est excusez-moi, basée en Argentine. Elle fait partie de Better Without Free Trade Agreement Network, qui combat les accords bilatéraux et de libre-échange. À ma droite, c'est Lucia Barsena du TNI, Transnational Institute. Et elle se concentre sur le traité sur la charte de l'énergie, ce qui est un des éléments clés dans la transition énergétique dont nous avons tellement besoin. Elle a travaillé aussi sur les échanges commerciaux en Espagne et lutter contre l'accord de librement d'échange TTIP. En plus, il y a Nick Dearden de Global Justice Now. Il fait partie de l'organisation britannique d'attaque et en ce moment, il écrit un livre sur les entreprises pharmaceutiques, comment ils ruinent notre santé. Et il nous a aidés à combattre l'accord de TTIP. Et un invité surpris, Thomas Kohler, de l'organisation de commerce mondial. Il est engagé contre le CETA, l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada. Je vous souhaite la bienvenue et on commence avec la première discussion, la première intervention. On commencera avec Nick. Donne-nous un aperçu de pourquoi c'est important de se pencher sur la traite internationale. Ça marche? Merci Martin, je suis contente d'être ici. Je vous explique avec plaisir pourquoi nous, en tant qu'activistes militants, sommes engagés dans le commerce. Et s'il vous plaît, partagez-le avec ceux et celles qui ne sont pas présents ici. Donc premièrement, le commerce aujourd'hui, les régulations de commerce, tout ça n'a pas beaucoup à faire avec ce qu'on a nommé le libre échange dans le 19e siècle. Il s'agissait de baisser les douanes, mais aujourd'hui, quand on entend le mot douane, ça fait plus vraiment partie de ces accords de libre échange. La politique de commerce, c'est surtout les régulations de la mondialisation. Et cela se passe surtout depuis le milieu des années 90, où sont nées de nombreuses relations de commerce. Et dans ces relations, les grandes entreprises sont vraiment puissants. Donc, quand on parle aujourd'hui
accords commerciaux, il faut être conscient du pouvoir des capitaux. Et quand les pauvres deviennent plus pauvres, c'est comme ça. Et si le monde est détruit, bon, tant pis. Finalement, on profite tous et toutes de cela. On pourra avaler des pilules et on a notre joli monde du commerce. Les organisations et accords de commerce, il y en a beaucoup d'institutions qui organisent le commerce mondial. Les droits humains, les lois concernant le changement climatique, c'est différent. Les lois du commerce sont appliquées. Je vous donne trois exemples. Je vais nommer des exemples et vous éclairer en ce qui est l'intérêt des lois de commerce et comment ils nous contrôlent au sein de la société. Donc, premièrement, les lois concernant les douanes, ce n'est pas seulement les douanes. Donc, quand je vends quelque chose, il y a des régulations différentes par rapport à des pays et cela coûte cher. Donc, ce serait mieux de harmoniser les lois entre les pays. Mais on pourra accorder les lois aux membres avec les prix les plus bas. Les douanes ont été inventées pour que l'on puisse garder nos niveaux de sécurité alimentaire pour sécuriser les droits des animaux. Tout cela est important, on veut continuer dans cette voie. Et si cela est changé au cours d'un accord de commerce international, comme avec TTIP, nous avons tous et toutes compris comment les poulets sont élevés aux États-Unis, sont traités à la chlorine, la viande après. Et puis, avec cet accord, on dirait en Europe, c'est aussi notre standard ici, donc on pourra importer ces poulets des États-Unis. L'effet serait clair, même si ce n'est pas mentionné dans l'accord qu'en Europe, on pourra traiter les poulets de cette façon. À la fin, les agriculteurs ne peuvent plus agir différemment s'ils veulent être compétitifs. Il y a beaucoup de différentes régulations qui sont influées par ces lois de commerce. Et ce qui est impressionnant, c'est que cela se passe à huis clos. Cela me choque et je pense que c'est une des raisons pourquoi nous avons été tellement... on a réussi à stopper le TTIP. Deuxième point, c'est les vaccins. Aussi contre le corona, par exemple, il y a des régulations différentes par rapport aux pays. Quelques pays achètent beaucoup de doses de vaccins, mais il y a un autre problème, c'est que nous n'avons pas produit assez de vaccins. Et la raison est simple, parce que la propriété intellectuelle pour la production des vaccins, c'est dans les mains dans quelques entreprises. Donc Pfizer, Moderna pourraient décider qui produira les vaccins, qui les vend et aussi sur le prix. Donc ce sont des décisions des entreprises et ça au beau milieu d'une pandémie. Et cela fait partie, c'est dû à un accord de libre-échange qui a été voté au milieu des années 80, 90.
Donc, cela a changé profondément comment fonctionne le commerce, surtout dans les pays en voie de développement. On peut voir comment les autres produisent les choses, comme par exemple, on voit comment s'est développé le Royaume-Uni ou les États-Unis. Mais si on évite cela, si la technologie ne peut pas être passée à d'autres pays, cela empire cette dynamique. Et cela nuirait aux capitalistes. Pendant la pandémie, on avait des entreprises qui avaient le droit de produire ces vaccins. Ils avaient la propriété intellectuelle. Et cela ne semble pas une loi de commerce, mais c'est une loi de commerce. C'était une pour les vaccins contre le Covid. Il y en aura des lois sur le changement climatique, sur les technologies. Voilà. Et le troisième exemple sont les investissements. C'est un sujet important qui est souvent oublié. Donc c'est la transaction d'argent. Il s'agit aussi de protéger cet argent des mécanismes étatiques. Il s'agit de plus en plus de la liberté de la monnaie et de la liberté de commerce. C'est aussi une vue très colonialiste parce que les anciens pouvoirs ont toujours cette pouvoir sur les autres pays. C'était aussi nos pays, les entreprises de nos pays qui exploitent ces droits et ces structures. Et ces entreprises veulent garder ces mécanismes. Ils veulent empêcher que les gouvernements décident autrement et les empêchent d'agir de cette manière. Et je ne veux pas parler trop en détail, mais le sujet des mécanismes ISDS est dans le centre de nombreux investissements. Surtout des grands investisseurs de l'étranger. Des entreprises transnationales étrangères peuvent, en vigueur avec la loi, peuvent saisir un tribunal contre des pays où ils sont basés. Cela a été créé pendant la colonialisation et c'est toujours exploité aujourd'hui. On avait réfléchi à comment on pourra accroître le pouvoir dans de nouveaux pays. On pourrait utiliser le militaire, mais avec ces mécanismes de commerce, c'est plus facile. Le pouvoir est accordé aux entreprises. Mais maintenant, avec le changement climatique, ce n'est plus seulement, on ne parle pas seulement du changement climatique. Le cas de Philip Morris, en Australie, il voulait faire des profits avec du tabac et trouvait injuste d'être réglementé par l'État. Cela a été un cas de ISDS. Il y en a d'autres exemples aussi et c'est choquant. Je vais conclure en quelques mots. Cela semble très sombre. Je pense que maintenant, ce sont des temps intéressants. Et le soutien politique pour un tel système devient plus faible. Même les personnes au sein de ce système ne sont plus toujours d'accord. Comme par exemple le navire qui a été bloqué dans le canal Suez parce que c'était trop grand. Nos chaînes
chaînes d'approvisionnement sont dépendantes du fait que nous pouvons transporter des biens vite autour du monde. Quand un navire est bloqué, tout le commerce, tout est bloqué autour du monde. Même dans les États-Unis, où le gouvernement n'est pas tellement intéressé aux accords de commerce, mon gouvernement est très intéressé à ces accords, mais je pense qu'il y a de plus en plus de résistance. Les gens disent qu'il faut agir autrement. Mais au niveau international, on ne peut pas juste se retirer et produire tout de façon autonome. Nous avons besoin d'un autre système de commerce, un système équitable qui est juste et qui nous mène à travers des crises. Merci, Nick. Nous avons déjà parlé des procédures ISDS et de la manière dont cela empêche nos gouvernements d'agir. Maintenant, nous parlerons de la façon d'impacter la situation climatique. Oui, en effet, je vais parler plus en détail de certains accords de libre-échange, notamment du traité de la charte de l'énergie. Je ne sais pas si cela vous dit quelque chose. Le titre du forum, c'est le commerce. Cela concerne plusieurs sujets. Au sein de mon institut, on s'est spécialisé sur la protection de l'investissement. C'est une bonne opportunité pour regarder les différents mécanismes des accords sur l'investissement. Ce traité sur la charte de l'énergie n'est pas nouveau. Il a été mis en place dans les années 90. D'autres pays ont rejoint l'accord plus tard. Vous voyez ici sur le tableau un escalier. Dans les années 90, une première étape a été franchie. C'était après qu'un autre accord avait échoué. C'était un accord organisé par l'Organisation mondiale du commerce. Cet accord a échoué, mais on avait besoin d'un autre système. Donc, on a décidé d'établir plusieurs accords bilatéraux. Donc, dans les années 90, un grand nombre d'accords bilatéraux a été mis en place. Il y avait aussi un accord entre le Mexique et le Canada. Aujourd'hui, 52 pays ont rejoint cet accord. Cela en fait un des accords les plus importants au monde. Cet accord concerne l'énergie politique. Il s'agit d'un accord relatif à des investissements énergétique. C'est le seul accord multilatéral relatif à la politique de l'énergie. Après l'effondrement de l'URSS, ce bloc de l'Est n'existait plus. Mais on a dû assurer les investissements à l'Est de l'Europe. On a dû trouver des façons d'assurer ces investissements. On a trouvé plusieurs possibilités.
Mais des entreprises telles que Shell ont également assisté aux négociations. Ils ont décidé le contenu de cet accord. Le but, c'était de créer un accord qui les aide, évidemment. On peut donc dire que ces accords ont été établis pour et avec des groupes internationaux. Après que l'accord a été signé, nous voyons aujourd'hui les premiers cas d'ISDS. Dans beaucoup de cas, ces procédures se rapportent au même accord de commerce. Regardons maintenant l'histoire, comment cela a été possible. 30 ans plus tard, nous voyons qu'il s'agit d'un accord dont nous n'avons plus besoin. Cet accord va à l'encontre des régulations modernes. Il s'agit d'un accord qui est notamment mis en avant par l'Union européenne. Mais cela nous retombe dessus. Beaucoup de ces procès ISDS a des effets imprévus. On n'a pas pu prévoir ce qui se passe suite à cet accord. Il s'agit, comme je l'ai dit, d'un accord multilatéral favorable aux entreprises privées. Il n'est pas possible de le renégocier. 52 pays qui font partie de cet accord doivent se tenir à cet accord. Si on décide d'autoriser des investissements de certains pays sous certaines conditions, on est obligé d'accepter cet accord. Cet accord donne du pouvoir aux entreprises. Nick a déjà expliqué comment ces droits sont renforcés. C'est à travers des tribunaux arbitraux. Ces tribunaux existent pour résoudre des conflits entre des entreprises et des États. C'est une stratégie qui est souvent utilisée pour résoudre des conflits entre des entreprises. C'est une façon privée de résoudre des conflits. S'il s'agit de deux entreprises privées, il n'y a aucun problème. Il s'agit de deux entités privées qui ont un conflit. Mais s'il s'agit d'un État et une entreprise privée, cela veut dire que c'est notre agent à nous qui est concerné. L'intérêt public y joue un rôle. Si un investisseur et un État sont élevés sur un même niveau, ben, c'est très bizarre. L'investisseur est le seul à pouvoir saisir un tribunal.
ces tribunaux arbitraux regardent seulement l'accord de commerce. Ils ne considèrent pas les aspects sanitaires ou écologiques. Dans 70% des cas, les tribunaux décident en faveur de l'investisseur. Un aspect clé de la campagne contre le TTIP a été l'opposition aux procédures ISDS. La Cour de justice européenne a statué que les procédures ISDS sont illégitimes. Les arbitres décident ce qui se passe. On ne peut pas trouver un moyen pour empêcher les investisseurs de mal utiliser ce système. En plus, il s'agit d'un système colonial. Ce système a été mis en place après la décolonisation pour protéger les droits de certains pays coloniaux. Quand on discute ces sujets, on répète que les investisseurs ont besoin d'un système qui protège leurs intérêts. Est-ce que les tribunaux internationaux ne sont pas assez équitables pour eux? C'est un système qui a souvent été critiqué par des avocats, des juges. Malgré tout cela, le système n'a jamais été changé. Aujourd'hui, le traité sur la charte de l'énergie est remis en question. Nous voyons un nombre augmentant de plaintes contre ce traité. Il pourrait même y avoir plus de cas. Une nouvelle étude a publié des chiffres concernant le traité. $350 millions pourraient être payé en dommages dans le cadre de ces processus ISDS. Deux entreprises allemandes ont porté plainte contre les Pays-Bas car une loi pourrait empêcher la distribution d'électricité venant de sources fossiles. Uniper a déjà été sauvé par le gouvernement allemand une fois. Le gouvernement a poussé Uniper à retirer sa plainte. C'est un exemple d'une entreprise qui porte plainte contre un État. Un autre exemple se trouve en Grande-Bretagne.
Cela concerne le commerce de charbon. Si nous souhaitons atteindre l'objectif d'1,5 degré, nous avons besoin de plusieurs choses. Nous voyons un conflit entre les mesures pour la protection du climat et les entreprises. Le traité sur la charte de l'énergie ne peut pas rester tel quel. Beaucoup a changé ces 30 dernières années. Certains aspects de cet accord doivent être modifiés. Il y a quelques semaines, la version finale d'un traité sur la charte de l'énergie modifiée a été publiée. Mais ce n'est pas encore assez loin car les procédures ESDS en font toujours partie. Toutefois, il s'agit d'une proposition flexible. Cette proposition comprend la protection pour les ressources fossiles pendant encore 10 ans. 10 ans, ce n'est pas bien. Nous avons besoin d'agir en raison du changement climatique. Nous, les militants, nous disons que la version modifiée est encore très mauvaise, mais nous pouvons encore empêcher cet accord. Cette version modifiée a été publiée, mais elle n'a pas encore été signée. Les États membres doivent encore signer et certains pays ont déjà déclaré qu'ils n'accepteront pas ce nouveau traité, par exemple l'Espagne. Le ministre de la Transformation énergétique espagnol a dit qu'elle ne signera pas ce nouveau accord. Le gouvernement allemand a également exprimé des doutes. Les Pays-Bas ont aussi discuté de cette version modifiée au Parlement et ils ont décidé de ne pas signer. Nous, en tant qu'ONG, nous faisons tous pour donner des informations au public. C'est comme un vampire. Quand le soleil est... quand la lumière est... quand les détails sont mis à lumière, l'accord meurt. Merci beaucoup. You've got your own microphone and yeah, now Luciana will tell us a bit more about. Tu as ton propre microphone, donc Luciana va parler plus des relations entre l'Union européenne et l'Amérique. Bonjour, bienvenue au Forum Commerce. C'est passionnant, donc je vais faire un petit détour et après je reviens au sujet. J'ai pensé que c'est vraiment génial que vous êtes ici, mais c'est quand même peu de personnes. C'est le Forum Commerce et c'est quand même intéressant. Voyons les problèmes du commerce. Et Nick l'a déjà mentionné, le commerce, c'est pas seulement le commerce. Tout cela dont on parle maintenant, c'est au-delà des frontières nationales. Et c'est important
pour les pays de faire fonctionner les accords, et cela devrait intéresser beaucoup plus de personnes. Et pour cette raison, nous avons noté au tableau quelque chose, c'est un petit diagramme sur les accords commerciaux et comment ils se développent au cours des années. Nous avons déjà mentionné le traité sur la charte de l'énergie, le TCE, et aussi le NAFTA, l'accord de libre-échange nord-américain. Et il y a aussi des accords commerciaux bilatéraux, et il y en a plus. Et c'est la façon dont on crée des lois pour tout le globe. La fin de l'Union soviétique a engendré ce développement. C'est la première échelle, et la deuxième échelle, c'est la zone de libre-échange en Amérique. Vous pouvez comparer les textes. Il y a quelques personnes qui le font vraiment. Il y a des personnes qui lisent les textes et on voit comment ces textes deviennent de plus en plus complexes. Il y en a de plus en plus d'autres problèmes qui n'ont pas été inclus dans le NAFTA. Et un troisième niveau, c'est le TTIP, que vous sûrement connaissez bien. Moi, personnellement, je connais mieux le TTP parce que quelques pays latino-américains font partie de ce traité, ce accord. Et je n'aurais pas pensé que je me serais endormie pendant le cours de géographie, mais le Royaume-Uni n'est pas inclus dans cet accord. Donc il y a des structures complexes, surtout en ce qui concerne ce qu'ils font les pays au niveau bureaucratique et administratif, et ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Donc, on veut inclure tout dans ces accords. Nous avons trouvé un livre presque de 35-40 pages, et il s'agit de la cohérence. Les États ne peuvent plus agir comme avant. On avait des blocs auparavant qui empêchent les actions des États. Après, il y a 30 chapitres dans le TPP. Et entre ces 30 chapitres, il y en a seulement 5 où on parle du commerce. Et dans les autres 25 chapitres, on parle des services financiers, le commerce en ligne, la propriété intellectuelle, la cohérence coordinatrice. Beaucoup de chapitres qui parlent de ce que peuvent et peuvent pas faire les États. Et pour cette raison, je suis choquée que ce sont seulement nous, les militants. Chacun devrait le savoir. On pense souvent que seulement les experts des finances et de l'économie connaissent vraiment les détails. Mais on est de l'avis que tout le monde devrait le savoir. On va parler de comment on analyse ces développements après 1993. On avait les premières implications de ces accords. Déjà, 1994, il y avait de la résistance contre les accords. Les militants au Mexique ne savaient pas vraiment ce qui se passerait. Le texte était là, mais ils ne savaient pas comment réagir. C'était quelque chose de nouveau. Et maintenant, nous avons 30 ans, 25 ans que nous pouvons analyser, on devrait l'analyser.
Nous l'avons fait en Amérique latine. Nous l'avons fait, mais nous avons beaucoup à faire encore. Nous avons besoin de soutien, de personnes, des têtes qui ont le savoir pour analyser les conséquences économiques des accords de libre-échange. On peut se demander pourquoi est-ce que les pays ont signé ces accords? Est-ce qu'ils ne savaient pas ce qui se passerait? Est-ce qu'ils ont trahi leur propre pays? En Amérique latine, il se passait comme ça qu'il y avait principalement y a deux explications possibles. D'un côté, les pays en Amérique du Sud, comme l'Argentine, sont dans une crise de dette. Quand on voit comment les accords ont été accomplis en 92-13, il y avait beaucoup de pays latino-américains qui ont adhéré aux accords. Il y avait beaucoup de pression de la part du gouvernement allemand, par exemple. Qui voulait payer les dettes de l'Argentine avec l'argent des fonds. Donc il y a un lien entre la crise de dette et les accords de libre-échange. Un deuxième aspect, c'est qu'il y avait beaucoup de promesses. Et aujourd'hui, nous voyons que les participants des accords font toujours les mêmes promesses qu'à l'époque. Aussi, les entreprises moyennes et petites, c'est la même chose. On devrait le voir en Colombie, au Pérou. Les accords commerciaux ont influencé les mécanismes de commerce. Et on pourra tirer les parallèles que cela se passe dans tous les pays et aussi dans son propre pays. Il y avait une personne qui disait que avec cet accord, les Mexicains ne doivent plus émigrer aux États-Unis. C'était en 1993. Nous avons vu après donc presque tous les pays de l'Amérique du Sud dans les accords de libre-échange, mais il y a toujours de l'immigration vers les États-Unis. Des pays en Centre-Amérique sont démilitarisés et exportent des produits alimentaires. Donc, on voit le deuxième point. Si on signe ces accords, on peut vendre d'autres produits. Nous voyons que l'accord de la Mexique ou la Colombie avec l'Union européenne, c'est le contraire qui se passe et cela s'amplifie. Tout l'Amérique du Sud exporte vers l'Union européenne, surtout des produits de la mer, des crevettes, du thon, aussi des produits de la forêt tropicale, du café, du cacao et certains fleurs. Il y a aussi des minéraux dans les terres, l'or, le pétrole et le gaz, bien sûr. En Colombie, la Colombie exporte beaucoup de pétrole et de gaz vers l'Union européenne. Nous avons aussi produits sur les champs, le blé par exemple. Chaque deuxième pays sud-américain exporte ses produits vers l'Union européenne. Et qu'est-ce qui exporte l'Union européenne vers l'Amérique du Sud? Ils exportent des moteurs, des avions, des voitures, des hélicoptères, des vaccins, des antibiotiques. Il y a donc
une imbalance en ce qui concerne les exportations. Et cela est un problème parce que nous l'avons vécu. Les accords de libre-échange pour les pays du Sud, je parle surtout de l'Amérique du Sud parce que je m'y connais bien, donc les accords de libre-échange ont renforcé le militantisme, l'activisme dans ces pays. La transformation énergétique en Europe est aussi un facteur. Mais les accords, les nouveaux accords, avec, par exemple avec le Mexique, ont d'autres objectifs. Ils veulent donner l'accès au lithium pour les pays européens, pour la fabrication de batteries pour les voitures électriques. En Amérique du Sud, nous avons le mécanisme du commerce. Et l'Union européenne exploite ce mécanisme pour pouvoir avoir des ressources pour la transition énergétique. Et quelles sont les conséquences? C'est que les problèmes restent dans d'autres régions, comme par exemple dans les Andes. Il y a une autre question qu'il faut se poser. Est-ce qu'on peut parler d'un nouveau accord, d'un nouveau changement avec ces accords de libre-échange? Et je pense que non. Les accords portent aussi sur le capitalisme dans notre société. Et avec ces accords de libre-échange, nous ne pouvons pas changer les sociétés. Merci beaucoup. Thank you so much, Luciana. And now, Thomas, please tell us what's it. Thomas, dis-nous de quoi on parle maintenant. Pourquoi c'est si important? Merci beaucoup pour ces présentations. Je suis très contente que ça ait été montré ici que dans le commerce, il y a largement plus que le commerce. C'était des très bonnes présentations. Moi, je suis ici depuis 6 ans, mais cette organisation Attaque Allemand avec la WTO, je veux dire Annick qui a dit 3 aspects. Les droits intellectuels, l'investissement et... Oui, tu l'as pas dit parce que c'était déjà fait en fait. C'était déjà privatisé et déjà sur le marché avant 6 ou 7 ans. Ça a commencé avec TTIP. On avait mis le point le plus important Le Parlement européen s'est mis d'accord. C'était en 2017. En même temps, Trump est devenu président des États-Unis. Il a renégocié l'accord NAFTA. Il faut souligner que en effet, certains aspects ont été virés de l'accord après NAFTA. Donc le public n'a pas vraiment été intéressé, les journalistes n'ont plus vraiment publié des articles au sujet. On a attendu un peu si plaintes contre CETA ont été décidées, des plaintes qui ont été déposées en 2016.
on a attendu la décision plus tôt, mais elle est venue cette année en février ou en mars. Depuis ce temps, personne n'a parlé du sujet. Le monde politique a attendu, je parle de la politique allemande notamment. Car CETA, c'est un accord européen mixte. Les parlements des États membres de l'Union européenne participent à la ratification de l'accord. Cela a été modifié en ce qui concerne les accords plus tard, qui ont pu être ratifiés sans les parlements nationaux. Alors, la décision de la Cour de justice allemande le Parti chrétien-démocrate a 6 reprises essayé de proposer une loi. Donc, la CDU a proposé 6 lois différentes au Parlement. Les Verts, qui sont au pouvoir maintenant, qui sont au gouvernement, depuis automne, nous avons un gouvernement établi par les Verts, le SPD et le Parti libéral. Ils ont décidé de proposer une loi au Parlement. Mais ils ont toujours une ambition. Lucia a déjà parlé de la protection des investissements. Ils ont voulu l'atténuer. C'est déjà le cas dans l'accord CETA. Mais il ne s'agit pas d'une modification globale dans l'accord CETA. Les Verts ont dit qu'ils donnent leur accord seulement si cette protection des investissements est vraiment modifiée. Cette protection ne devrait plus être exploitable. Je parle notamment du problème que le terme investissement n'est pas clairement défini. Tout est donc encore très vague. Les Verts veulent donner leur accord seulement si une explication est trouvée pour cela. Après l'été, une 2e et 3e lecture de l'accord est prévue au Parlement. L'Allemagne serait un pays en plus à ratifier l'accord CETA. D'autres pays manquent encore, comme par exemple la Belgique, l'Italie et encore d'autres. CETA ne serait pas encore complètement ratifié, mais pour nous, c'est le début pour et l'opportunité pour exprimer notre opposition. C'est alors la raison pour laquelle c'est à nouveau un sujet de l'actualité. C'est peut-être un hasard que tout cela se mélange aujourd'hui. Nous avons cette guerre de la Russie contre l'Ukraine. Je pense qu'on en parle aussi dans le reste de l'Europe. Poutine a décidé de ne plus exporter autant de gaz. On doit donc nous poser des questions. Aurons-nous assez de gaz pour chauffer nos appartements en hiver? Moi aussi, j'ai un chauffage qui fonctionne avec le gaz. C'est alors la situation actuelle. La situation politique est intéressante aussi. On souhaite s'opposer à la Russie. Beaucoup disent alors qu'ils ne s'intéressent plus aux problèmes de CETA, etc. Ils disent que les Canadiens sont nos amis, on doit coopérer, ils sont des démocrates. Donc, si on ne peut pas coopérer avec eux, avec qui d'autre?
Notre ministre de l'économie vert s'est même rendu au Qatar pour négocier sur le gaz. Donc, cela doit être possible avec le Canada. Je pense que c'est le discours d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous le savez, il y a une organisation écologique, Urgewalt, en Allemagne. Il montre quelles entreprises font les investissements dans les sources d'énergie fossiles. Ainsi, ceux qui souhaitent investir dans les entreprises durables peuvent choisir de ne pas investir dans ces entreprises-là. Je trouve que c'est un très bon travail. Ils ont ce projet et ils ont publié une liste de 25 projets mondiaux qui sont vraiment un scandale, soit parce qu'ils ont des conséquences négatives sur le climat, parce qu'ils ne respectent pas les droits des populations indigènes, etc. Et parmi ces 25 projets, 5 sont situés au Canada. Le Canada est donc à la tête de cette liste. Un sixième projet se trouve aux États-Unis. Il s'agit aussi d'un projet de pipeline pour le gaz. Je pense que ce qu'on devrait faire désormais, c'est de vraiment mettre le doigt sur cette contradiction. Donc, on ne peut pas dire que le Canada est un partenaire sans problème. On ne peut pas ignorer ces problèmes-là. D'un côté, on peut faire une politique à court terme, une politique de crise. C'est compréhensible de le faire aujourd'hui parce qu'on ne sait pas d'où le gaz viendra cet hiver. Mais la politique de crise est une chose, mais des mesures à long terme qui garantissent des droits, c'est autre chose. D'un côté, nous avons cette protection des investissements. C'est très clair. Ce sont des mesures à long terme. Il y a des paragraphes qui décident pour des décennies. Ce sont donc des protections pour des investissements à long terme. Mais cela commence dans le court terme. CETA est déjà appliqué aujourd'hui. C'est déjà entré en vigueur, sauf la protection des investissements. La libéralisation y joue un rôle aussi. Par exemple, on doit juste laisser les trains entrer le pays. Cela empêche les gouvernements d'agir. Vous avez peut-être entendu parler du pétrole à sable bitumineux qui vient du Canada. Ce pétrole a été récupéré sur un territoire de la taille du Royaume-Uni. Sur ce territoire, beaucoup de CO2 a été séquestré, car il y avait une forêt sur ce territoire-là. On a dû abattre tous les arbres pour récupérer le pétrole.
si on brûle tout ce pétrole-là, la température augmenterait de 0,4 degré. C'est déjà assez pour dépasser l'objectif d'1,5 degré. Le processus pour récupérer le sable bitumineux est très nuisible au climat car beaucoup de CO2 est émis lors du processus. Donc, c'est un des exemples, un de ces 5 projets au Canada. Et ce projet est déjà inacceptable si on souhaite donner une possibilité à protéger le climat. Ces accords de libre-échange décident des mesures à long terme, donc on ne peut pas accepter un accord avec un pays qui entretient de tels projets. Je vais être bref. Du 9 au 24 septembre, il y aura une semaine à projet. C'est un projet qui est en coopération avec ATTAC. Dehors, vous pouvez recevoir plus d'informations. Merci. Merci beaucoup, Thomas. Je pense que nous avons beaucoup entendu de notre commerce actuel. Est-ce que vous avez encore des questions, des pensées? Je veux encore une fois entendre des gens. Qu'est-ce qu'il faut faire avec les accords de commerce et quelles sont les victimes qu'on a déjà fait? Je pense qu'on a déjà dit un peu qu'est-ce qu'on a déjà réussi, mais il faut encore lutter. C'est pas fini. Ce qu'on veut, c'est le contraire de ce qu'ils font ces accords de commerce. On veut qu'on peut agir avec ce commerce des climats, qu'on peut réguler du capital et des investissements, et c'est dans l'intérêt public. Je ne pense pas que c'est si utopique que ça ressemble. Regardons le système après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a des douanes et moins de gens sans travail. Si ça n'aide pas, on ne le fait pas. Mais il y a tellement des celui-ci, c'est le système qu'on a eu à la fin des années 90. Mais aussi, en lien avec le capitalisme, il y a autre chose. Les mots et les conditions dans le commerce sont contre la plus grande partie du monde. Ils vendent des métals et nous, on fait les choses les plus chères. Et ici, je ne vois pas vraiment comment un pays pourra changer quelque chose. Il n'y a pas qu'un seul pays qui pourra vendre des avocats. Il faut C'est tout à fait autre chose qu'on a vu dans les derniers 25 ans. Beaucoup de pays à l'Amérique du Sud ont développé un autre système de commerce. Celui-ci est fondé sur de la solidarité et pas sur un combat.
il y a un certain... Il y a un certain moyen qui montre comment on puisse agir autrement. Cette question nous a posé très, très fréquemment. On n'a pas cette alternative, mais qu'est-ce qui est une alternative au accord de l'énergie charta? On veut avoir la parole en ce qui concerne ce qui se passe avec notre énergie. Mais bien sûr que c'est que les grandes entreprises qui profitent. Et celui-ci ne sont pas connus qu'ils partagent leurs richesses partout dans le monde. Premièrement, il faut voir ceci. Il faut arrêter de combattre ces accords de libre-échange. C'est vraiment difficile si on dit qu'on ne veut pas des... accords de libre-échange, c'est pas qu'on veut pas de liberté. Il faut continuer de lutter. Et il faut voir qu'il faut des accords de libre-échange pour continuer. Il y a aussi des accords qui montrent qu'il n'y a pas de lien entre le système de libre-échange et le reste. C'est justement le caractère de ces accords. Donc, pourquoi est-ce qu'ils existent, en fait? En fin de compte, ce sont nous, les citoyennes et citoyens, qui souffrent. Les entreprises font de plus en plus de l'argent. Et nous, nous avons des crises de pétrole, alors que les riches deviennent encore plus riches. Ils ne partagent pas les richesses. Et ils annulent toute compétition. Il est de plus en plus difficile de rester compétitif. Car pas tout le monde a ces accords qui les protègent. Nous avons un exemple d'un projet qui est censé soutenir la transition énergétique. Car dans cette transition, on doit veiller à ce que certaines entreprises ne privatisent pas le nouveau système. Ce sont certainement les mêmes entreprises qui nous accompagne à travers cette transition. Évidemment, nous avons besoin d'un grand nombre d'investissements. Mais ce ne sera pas seulement à travers ces accords de libre-échange, mais aussi à travers des mesures nationales, notamment dans le secteur des énergies renouvelables. Nous devons investir dans ce secteur et non pas dans les accords de libre-échange. Tous ces accords coûtent des millions d'euros, notamment les plaintes. On devrait peut-être maintenant parler des personnes qui profitent de ces millions. Ce ne sont pas nous. Nous essayons de trouver des mécanismes pour contrôler les entreprises. Un exemple, on veut qu'ils respectent les droits humains. Les lois relatives aux investissements deviennent de plus en plus complexes et en même temps, les droits humains sont de moins en moins respectés. Cela n'est plus en équilibre. Nous allons de plus en plus loin. On a des
tribunaux de plus en plus précis pour les entreprises, mais nous ne faisons pas de progrès concernant les droits humains. Nous avons besoin d'une alternative. Nous avons besoin de lois contraignantes pour les entreprises quand ils ne respectent pas les droits humains. Mais on a encore beaucoup de mal. Nous n'avons pas le temps pour en parler. Mais sur notre site web, vous trouvez plus d'informations. That this is something we have been discussing a lot. Pour ma part, nous avons beaucoup en parlé au sein des organisations latino-américaines. Quelles sont les solutions? Ce que nous voulons, c'est nous ne voulons plus d'accords de libre-échange. Aucun. Parce que tous les accords sont mauvais. On ne peut pas les embellir. On ne peut pas ajouter un chapitre sur le genre et le commerce dans, par exemple, l'accord entre le Chili et l'Argentine. Ils avaient, par exemple, ajouté un chapitre et on a dit que c'est un accord très moderne parce qu'il y a ce chapitre. Et c'est comme ça qu'ils veulent apaiser les mouvements féministes. Donc avec ce chapitre. Mais ce chapitre n'est pas important. Les chapitres importants, c'est les chapitres sur lesquels agissent les tribunaux arbitraux. Et on a le sentiment que l'Union européenne dit « Voici, c'est le contrat, faites comme vous avez envie. » Et je veux dire quelque chose de très radical. Je vais le formuler de façon jolie, mais c'est très radical. Nous voulons savoir quelles sont les conséquences de ces accords. Donc après 25 années, les gouvernements ne peuvent pas montrer des conséquences positif. Nous savons que nous avons la raison sur notre côté, mais nous avons besoin d'une discussion technique. C'est des textes de loi, c'est pas très intéressant, mais nous avons besoin de plus de personnes qui discutent avec nous. Nous avons besoin des discussions politiques au sein des parlementaires, parmi les hommes et femmes politiques. Et c'est juste un exemple. Le gouvernement du Chili a toujours répété que pendant la campagne électorale, qu'ils vont réviser les textes de loi et les accords. Et on disait au contraire, ah, ils vont nous couper du reste du monde, on ne pourra plus jamais exporter des produits. On n'aurait plus de produits pour nous. Et maintenant, on achète des petits pois du Canada. Mais les petits pois qui peuvent être cultivés au Chili sont importés en fait du pays le plus au nord de l'Amérique et sont importés au sud. C'est la même chose qui se passe en Équateur. Là, on a vu comment ces accords nuisent à nos sociétés. Après, on pourra discuter des effets. Mais avant de discuter, il faut avoir les chiffres. Et après, on peut partir de là. Thomas, à vous. Oui, un petit ajout sur l'aspect des chiffres. Pendant le débat au Bundestag, une parlementaire avait raconté que le produit social augmentera de 12 milliards d'euros. C'est rien. Nous avons un PIB social qui commençait avec 17 billions d'euros. Et on dit
que là, cet accord, c'est un grand renouvellement économique. Et en plus, c'est juste l'effet pendant un an. Et si on voit les effets sur 15 ans, c'est encore moins que rien. Je peux donc continuer beaucoup de choses qui ont été mentionnées. Je pense qu'il faut revenir à ce que le droit des peuples, comme nous le revendiquons dans nos pays, met au centre la dignité humaine et que cela rend possible de sauver le climat. C'est aussi ce qu'il disait Luciana dans son discours, que ce sont les accords bilatéraux, mais aussi les accords de l'Organisation mondiale du commerce, qui ont de très forts mécanismes. Et aussi, du point de vue juridique, c'est pas le fait, mais en pratique, ils sont en-dessus des accords des droits humains. Et il faut mettre fin à cela. Les droits humains et la protection du climat doivent être en premier lieu. Et d'un côté, je pense que Nick a raison quand il disait que le système de commerce mondial, comment cela a fonctionné. Avant les premiers accords de libre-échange, il n'y avait pas cette façon de décider des parties de libre-échange. C'était les pays, les États qui ont agi au niveau national, et on pouvait trouver des solutions au niveau européen pour sauver l'atmosphère à l'époque avec la couche d'ozone. En 1980, il y avait un rapport de l'ONU où on revendiquait de créer des capacités dans les énergies renouvelables. Et si on aurait commencé à l'époque, on serait à un autre niveau aujourd'hui. Donc ça, c'est un aspect. Que le pouvoir de des régimes de libre-échange sont réduits et que les politiques nationaux ont plus de pouvoir et peuvent établir des coopérations entre les États. Mais un autre aspect qui concerne aussi le droit des peuples, il y a la notion des normes contraignantes qui sont valables pour tous les accords qui sont signés entre les États. Donc les États peuvent décider librement avec qui ils signent des contrats. Mais il y a quelques normes qui doivent être respectées, et même les États dans les accords bilatéraux, comme par exemple les droits humains fondamentaux. Et ce que nous voyons avec le régime de libre-échange, c'est que le régime de libre-échange se pose au-dessus du droit des peuples. Et je pense qu'il faut aussi parler de ce procès, de la méthode du Jus Cogens. C'est pas possible que les règles du libre-échange, donc il faut que le droit des peuples est au service des gens, des personnes, des sociétés et pas au service des entreprises. Une idée, c'est par exemple que l'accord de Paris fait partie de ce Jus Cogens,
Et après, on peut voir, analyser CETA et tous les autres accords. Et si on voit que les accords ne respectent pas les accords de Paris, on pourra demander aux cours de justice internationale l'annulation de ces accords. Ce n'est pas un chemin qui mène au succès, mais c'est une possibilité que l'on pourra essayer. C'est tout d'abord, il s'agit de revendiquer que le droit des peuples soit imposé d'une autre façon et n'est pas appliqué pour des intérêts des entreprises. Nous avons toujours l'échange entre les intérêts des entreprises et les droits humains, mais maintenant, c'est le moment de dire que nous devons mettre le droit des peuples au service des gens. Thank you so much. Merci beaucoup. C'est maintenant l'opportunité pour vous de poser des questions et pour discuter. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, vous pouvez nous rejoindre demain à 10 heures pour nos ateliers. Nous aurons un atelier concernant les accords non pas ratifiés. C'est un atelier avec Luciana demain à 10 heures. Maintenant, vous avez la possibilité de poser des questions. Levez la main et quand je vous appelle, vous pouvez venir à l'avant de la scène pour poser une question au micro. Vous pouvez parler en allemand, en français, en anglais. Je pense que les arguments contre ces accords de libre-échange, nous les connaissons tous depuis des années. Ils ont été mentionnés et partagés lors d'autres universités d'été, par exemple à Paris. Mais la manière de nous mobiliser, de mettre la pression, d'agir, ce n'est pas encore clair. Je dois dire qu'il y a peut-être 20 personnes ici dans la salle. En 2015, nous avons eu des centaines de personnes. Lors de ces conférences, il y avait beaucoup plus de personnes. Pourquoi cette question importante pour la démocratie n'est plus présent dans le public? Nous avons perdu cet intérêt. Quand c'est l'Union européenne qui signe ces accords ne sont plus annulables. Nous avons donc une possibilité. Une fois que tous les pays ont ratifié les accords, un pays ne peut plus se retirer de cet accord. Nous aurions donc perdu. Alors, comment pouvons-nous mobiliser le grand public alors que la plupart des personnes n'est plus intéressées? Merci beaucoup pour toutes vos interventions. Il est toujours important de penser à tous ces points. Évidemment, nous pouvons penser à l'air avant les accords, mais est-ce que ce n'est pas un point de vue très centré sur les pays occidentaux, si on pose la question
aux pays africains, ils diraient autre chose. Ils n'ont pas profité de cette ère avant les accords et nous devons penser à cette perspective-là. Oui, merci. Et s'il vous plaît, dites dans quelle langue vous allez parler avant de prendre la parole. C'est important pour les interprètes de savoir dans quelle langue vous parlez. Merci beaucoup. Je m'appelle James, je viens de Global Justice Now. J'aimerais souligner quelques-uns de nos succès. Il est facile d'oublier certains aspects, mais par exemple, l'Équateur a annulé 16 de ses accords de libre-échange. Cela nous mène à la question à savoir quelle est la fin de ce processus. Mais nous commençons à changer notre manière d'agir, notamment en ce qui concerne le commerce. Nous voyons plusieurs problèmes dans les pays d'Amérique du Sud. Quelles possibilités avons-nous pour exprimer notre opposition? Évidemment, c'est toute une histoire. Nous avons combattu TTIP. Nous avons pu battre un accord multilatéral. Maintenant, c'est le tour au traité sur la charte de l'énergie. Une fois que ces choses deviennent importantes et que nous réussissons à leur accorder de l'importance, nous pouvons mobiliser les gens et le grand public commence à s'y intéresser. Nous avons du matériel d'information avec nous. Il est souvent question du changement climatique et du mouvement pour le climat dans ces petits livrets. Vous pouvez en prendre un. Nous avons déjà pu célébrer plusieurs succès. Nous avons pu coopérer avec le mouvement pour le climat et les convaincre qu'il s'agit d'un sujet très important. Je vais parler en allemand, Thomas Kohlmeier de Goyard Watch, et je suis complètement d'accord avec James. C'était génial, la mobilisation dans les années 2000. Et on parlait aux hommes politiques ou d'autres activistes m'ont envoyé les textes des accords. C'était un temps incroyable. Et à une époque, il y avait les marchés financiers qui étaient vraiment intéressants pour les gens. Mais je pense que ces temps vont revenir. Il faut juste garder l'espoir. Donc maintenant, l'énergie, c'est très sexy. Il y avait une autre époque où ce n'était pas le cas. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a deux ou trois sujets qu'il faut voir. Premièrement, il y a ce divisement thématique. C'est le
loi des chaînes d'approvisionnement et de l'autre côté, la loi de commerce. Mais cela va ensemble et donc il faut le penser ensemble. Il y a deux différentes directions et c'était difficile de les mettre ensemble. Et je ne sais pas comment c'est la situation dans d'autres pays. En Allemagne, c'est Cora, des activistes des droits humains, et dans d'autres associations qui agissent sur le commerce. Mais il faut venir ensemble, il faut ajouter les droits humains dans les accords commerciaux. Et le deuxième point que je veux mentionner, c'est qu'il y avait une très grande discussion sur les... brevet sur les vaccins. En Allemagne, on voulait avoir des brevets pour les vaccins de BioNTech et c'est quelque chose d'incroyable. Comment est-ce qu'on peut mettre en avant ces sujets au milieu de l'intérêt public qui sont nommés pendant les actualités le soir? C'est donc il faut penser à comment mener le débat aussi avec les médias en ligne, comment c'est Amazon, Facebook, Google ou Tencent qui utilisent les big data, la souveraineté des données. Il faut réfléchir à ce qu'est la digitalisation et c'est souvent la numérisation qui est important. Il faut aussi voir ici une actualisation du débat, du discours. Il faut rester, il faut garder l'espoir et continuer d'organiser des manifestations aussi grandes qu'avant. Merci. Je m'appelle Isolde et je parle allemand. Je travaille aussi dans l'AG VTO et commerce mondial. Et Thomas, je veux dire que les accords de libre-échange et la politique commerciale vont ensemble avec les droits humains. Et on respecte aussi les pays avec des mécanismes moins forts. Je ne veux pas continuer dans cette direction. Ce qui s'est passé en 2015-2016, c'est le sujet le plus intéressant à l'époque. Et maintenant, on en parle presque plus. Nous sommes aussi de cette opinion. Nous voyons qu'au sein d'ATTAC, il y a le savoir sur les accords de libre-échange et un savoir sur le CETA. Et nous avons pensé que si la coalition du gouvernement ici en Allemagne peut signer cet accord avec les effets difficiles et il faut vous demander, vous prier de vous engager, d'utiliser vos connexions, vos relations, de mobiliser tout ce que vous pouvez, parce que l'accord de CETA parle de l'expansion d'un régime de commerce. Et notre proposition de manière didactique, c'est de réduire cela. Nous voulons nous concentrer sur la question des droits de commerce des entreprises et de mettre la politique climatique au centre. Et nous pouvons que c'est important de coopérer avec les autres organisations dans le réseau de commerce équitable et après voir comment nous pouvons libérer des énergies. Donc, s'il vous plaît, rejoignez-nous à notre point d'information pour discuter sur l'élargissement de nos combats. Je m'appelle Gabrielle, je suis d'ATTAC Lübeck et j'étais choquée de ce qui s'est passé avec les accords de libre-échange et c'était ma motivation pour rejoindre ATTAC.
Donc, j'aimerais répondre à une autre intervention. Et je pense que c'est un mécanisme qui est utilisé pour mettre en avant toutes ces pratiques. Et les gens disent que on n'en sent pas vraiment les effets, il n'y a pas vraiment des dangers, on ne les voit pas. Et c'est une raison pour laquelle beaucoup de personnes ne sont plus intéressées à ce sujet et pensent que tout ce chaos, tout ce débat, ce n'était pas vraiment important, ce n'est pas s'avéré vrai. Et je pense que c'est un argument important. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose à cela? Non, ok. Donc j'ai une autre question pour Thomas. Sur quelle base sont fondées les améliorations des accords? Comment on peut les formuler si on veut le faire avec les possibilités des différents groupes parlementaires? On pourra penser que l'autre côté va former des groupes aussi, et c'est pas un mécanisme qui peut être sécurisé au long terme pour rendre les accords plus humains. Merci. Léa, excuse-moi, tu voulais demander quelque chose? Je pense qu'on a le temps pour une autre question et après, je dirais, c'est la dernière ronde pour la table ronde. Allez-y. Merci beaucoup pour cette présentation excellente. Je réfléchis au travail que nous faisons sur les personnes qui pensent au capitalisme, qui se battent pour la même chose. Et moi aussi, je pense que cette idée est très progressive. Est vrai que nous n'avons pas besoin de ces accords de libre-échange. Et les points positifs de ces accords sont très sont petits. Il faut penser plus concrètement à comment utiliser cette énergie avec des initiatives de l'OMC. Il y a d'autres choses importantes dans ces accords, surtout quand on parle de la responsabilité. On peut se demander est-ce que ce serait bien de proposer aux pays de collaborer et de travailler sur des politiques communes et ne pas utiliser ces restrictions l'un contre l'autre. C'est une alternative au point de vue très dur de juste dire que tous les accords de libre-échange sont mauvais. Et si on voit que c'est quelque chose quelque chose de positif, on pourra peut-être signer quelque chose de nouveau et on pourra avoir une influence sur les accords internationaux. Et nous pouvons essayer de créer de nouveaux principes de commerce mondial. Merci beaucoup pour toutes vos questions.
J'aimerais donner la parole aux participantes de la table ronde de partager leurs pensées. Peut-être vous voulez répondre à quelques questions spécifiques, la question de Sita à Thomas, ou la dernière question sur les mécanismes. Une autre question qui est aussi importante, comment pouvons-nous gagner? Comment puissent les gens entendre nos voix? Et puis la question à Luciana, quelles sont les attentes pour la politique d'investissement? Qu'est-ce qu'on attend des gouvernements en Amérique latine? Et comment lier les droits humains et les droits de commerce? Thomas, on va commencer avec toi. Yourself not too long because... S'il vous plaît, soyez court. On n'en a pas vraiment parlé, mais CETA et tous les autres nouveaux accords de l'Union européenne, pour les conclure, des délégations sont mises en place. On pourrait tenir des discours là-dessus. Les deux partenaires sont représentés dans ces délégations. Les Canadiens, par exemple, sont présent et l'Union européenne. Pour l'Union européenne, il s'agit de représentants pour la Commission. Pour CETA et pour d'autres accords, un certain nombre de délégations sont mises en place. Mais en ce qui concerne CETA, certains aspects ne sont pas encore appliqués, comme par exemple la protection des investissements. C'est la raison pour laquelle certains paragraphes de l'accord ne sont pas encore en vigueur. Ce sont des paragraphes qui donnent la compétence à ces délégations de modifier la protection des investissements. D'après CETA, ces délégations peuvent changer les droits. Mais les paragraphes ne sont pas encore appliqués, donc on ne peut pas encore vraiment faire beaucoup. La seule chose qui reste, c'est que la délégation mixte de CETA utilise sa compétence générale en ce qui concerne l'accord global. Cette délégation mixte peut interpréter certains aspects de la protection des investissements. Comme je l'ai dit, c'est très vague. Quand je peux interpréter certains aspects, ce n'est pas très clair jusqu'où cela peut aller. Les investisseurs peuvent avoir recours à un tel ou un tel aspect et tout reste très vague. C'est une chose très imprévisible, pas sûr. Et le tribunal arbitral est tenu à l'interprétation de la délégation mixte. Mais CETA dit aussi que le tribunal arbitral doit se tenir aux droits internationaux. Le droit international, par contre, dit jusqu'où on peut interpréter un accord. Donc, enfin, c'est le tribunal arbitral qui décidera. Il peut dire si la délégation mixte est encore dans ses compétences ou non. Donc, tout n'est pas très sûr. Encore un d'autres aspects que j'aimerais mentionner. James, je suis d'accord avec toi. On devrait coopérer avec le mouvement pour le climat. Nous avons écrit un papier
que nous distribuons dehors. Nous avons écrit certains points sur le lien entre la politique du commerce et la politique du climat. La politique du climat ne peut pas nous accuser que nous soutenons juste profiter de leur élan, car cet élan a disparu aussi avec la guerre et la pandémie. Donc le mouvement du climat pourrait profiter d'une coopération aussi. Thomas, excusez-moi, je dois te couper malheureusement. Donc je comprends pourquoi cette salle n'est pas remplie de gens. Mais je pense que nous sommes dans une bonne position, une meilleure position pour négocier qu'il y a quelques ans. L'Organisation mondiale du commerce est devant une crise existentielle. Équateur et beaucoup d'autres pays ont annulé leur accord d'investissement. L'Espagne et leurs accords sont en danger aussi. Les brevets des vaccins, la propriété intellectuelle, tout cela est remis en question. On ne devrait peut-être pas parler de commerce parce que nos luttes ne tournent pas seulement autour du commerce. Nous ne parlons pas de problèmes pour les travailleurs offshore, nous ne parlons pas de problèmes fiscaux. C'est encore autre chose. Ce n'est pas la même chose qu'aux années 90. On ne veut pas trouver des solutions pour une ère après le néolibéralisme. Le mouvement contre la mondialisation profite de l'Amérique du Sud, mais cette partie du monde change. On y trouve une nouvelle façon d'internationalisme. Enfin, nous avons besoin d'une mondialisation contrôlée. Tous ces sujets sont connectés, mais nous devons arrêter la mondialisation d'une certaine manière. Notamment, les monopoles doivent être contrôlés. On devrait peut-être donner un autre titre à ce forum la prochaine fois. Tous ces sujets sont très importants, mais il y a de l'espoir. On doit trouver un équilibre entre nous, les experts, et certains sujets concernant les accords de libre-échange. Nous avons eu des succès. Nous n'avons pas pu imaginer que le GIEC parlerait de commerce dans son rapport. Nous y avons travaillé pendant des années et maintenant nous avons plus de légitimité. Des acteurs importants nous écoutent. Nous devons vraiment trouver un équilibre. Nous devons regarder le système de près, mais nous ne devons pas couvrir
trop de sujets et trop en détail. On doit trouver un équilibre avec les autres sujets importants. Nous avons regardé ces accords de libre-échange. Il reste difficile de mobiliser les gens et de ne pas séparer les groupes en différents sujets. Ce serait vraiment bien d'avoir des gens de différents domaines qui se réunissent dans ces forums ici. Nous ne pouvons seulement couvrir quelques sujets ici. Je suis absolument d'accord. J'ai pensé à la question de Birgit. Nous avons perdu le grand public, c'est ce qu'elle a dit. La dernière université d'été à Paris en 2014, c'était un événement lors duquel j'ai rencontré Nick. Cette fois-ci, on a beaucoup d'ateliers concernant la guerre en Ukraine et évidemment, c'est un sujet très important. Nick a dit que nous avons beaucoup appris ces 20 dernières années. Ceux qui ont participé aux premières discussions et ceux qui sont présents aujourd'hui ont changé. Nous avons aujourd'hui des acteurs plus dynamiques. Le mouvement climatique, le mouvement féministe doivent être impliqués aussi. On ne devrait pas seulement parler de commerce. On doit parler du fait que le système de commerce est vraiment pas logique. On doit changer le commerce pour changer le climat. Tout le monde doit comprendre que le commerce est au cœur du système capitaliste. Tout cela est très abstrait, mais il faut le comprendre. Car si le mouvement climatique et le mouvement féministe participent, on peut vraiment trouver une nouvelle dynamique. On peut dire que le système est vraiment horrible, mais nous avons besoin d'une nouvelle dynamique, d'un nouveau élan, car voilà, ce sont les mouvements qui sont dans les rues. En Amérique du Sud, rien ne se passe sans le mouvement féministe. Nous devons coopérer avec ces mouvements. Nous devons souligner comment les accords de commerce impactent les femmes, car elles ne le savent pas. Nous avons besoin de l'argent, nous avons besoin d'une nouvelle manière de communiquer. Nous devons toujours aller plus loin. C'est comme dans le foot. Nous devons d'abord regarder où le ballon doit être visé. Pendant ces jours ici, nous pouvons en parler. Peut-être que nous devons nous retrouver plus tard pour en parler. Thank you all so much. So go out. Merci beaucoup à tout le monde. Alors, sortez, retrouvez-vous. Merci beaucoup. À plus tard.